Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Calque. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je peux réaliser un calendrier hebdomadaire à partir de l'année et du numéro de semaine. Avant de commencer, voici ma version de LibreOffice. Et vous voyez que je vais utiliser dans cette vidéo formation la version 6.4.2.2. Alors, j'ai ici en B2 le numéro de semaine, en A2 l'année et en A4 je souhaite avoir le premier jour de l'année. Donc, je vais devoir utiliser dans cette formule bien sûr l'année et numéro de semaine. Donc, pour passer en mode calcul fonction, je mets égal et je vais commencer par utiliser le numéro de semaine que je vais multiplier par 7 plus je vais utiliser une fonction date. J'ouvre la parenthèse et vous voyez qu'il me faut l'année, le mois, le jour. Donc l'année, ça sera 2021, point virgule. Le mois, ça sera janvier, point virgule. Et le jour, je ne veux pas utiliser le premier jour donc, du mois de janvier, mais le 3, tout simplement à cause, vous connaissez la formule pour déterminer la première semaine de l'année en France, donc d'après la norme ISO. C'est la première semaine de 4 jours. Donc c'est pour ça que je dois utiliser le 3 janvier. Je ferme ma parenthèse. Moins, je vais utiliser une fonction jour sem. J'ouvre la parenthèse. Et je réutilise ma fonction date. J'ouvre la parenthèse. Toujours avec l'année 2021, point virgule, le mois janvier, point virgule, et toujours le 3. Je ferme une première fois, deuxième fois la parenthèse. Si j'appuie sur Entrée, il me met le 9 janvier 2021. Donc je vais le mettre en format un peu plus lisible donc par un clic droit, format de cellule, et je vais utiliser. Voilà. Et vous voyez que je suis au samedi 9 janvier 2021. Donc pour cela, je fais moins 5. Et j'arrive au lundi 4 janvier 2021 après avoir corrigé. Donc avec le moins 5. Voyons voir si c'est juste grâce au calendrier Outlook. Donc je vais me déplacer au 1er janvier 2021. Et on voit que la semaine 1, c'est bien le 4 janvier. Juste pour être sûr. Vous voyez qu'ici j'ai une semaine 53. Je vais aller voir quand même la configuration de mon compte pour le calendrier. Et je vois bien que c'est bien la première semaine de 4 jours, ce qui est par rapport donc, à la norme ISO française correcte. Donc j'ai bien le 4. Maintenant, pour voir si mon calendrier fonctionne bien, si je mets 2020, il me dit que c'était le lundi 30 décembre 2019. Donc je retourne dans Outlook. Je vais atteindre la date du 1er janvier 2020 et la semaine 1, c'était bien le lundi 30 décembre 2019. On va vérifier de suite avec 2022, donc 1er janvier 2022. La semaine 1 commence le lundi 3 janvier. Donc si je prends mon petit fichier et que je lui mets 2022, j'ai bien le lundi 3 janvier 2022. Alors pour constituer après mon agenda, je mets égal et je vais utiliser le lundi 3 janvier, donc la cellule A4 plus 1. Je n'ai plus qu'à recopier jusqu'au dimanche. Voilà. Et ensuite, si je veux faire mon calendrier, je copie, je colle. Et je peux bien sûr ici. Pour automatiser un peu la chose,
modifier toutes les années en me reportant par rapport à la première cellule où je rentre l'année. Et pour les semaines, je me réfère à la première cellule auquel je rajoute plus 1. Si bien que si je mets 2021, automatiquement toutes les années sont bien 2021. Et si je veux commencer par exemple à partir de la 10e semaine, voilà, j'ai automatiquement mon agenda qui s'adapte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Calque.